Allez, la game qui se lance alors qu'il faut que je remette le son, moi. Ah, et ben les aliens qui ont commencé à shipping. Ah, moi j'aime pas trop, je posais la Ah, shipping, hein. c'est horrible, hein, commencer à shipping. T'as tes 5 RT, tu peux te les mettre. Enfin, bref. Bah, c'est ça, quand t'es à Warehouse ou Server Room, tu peux tellement bien les défendre, t'es RT, quoi, c'est. Donc là, logistique, c'est un foutu boulevard. Hein. Ah, 4 personnes à hub. J'ai cette musique, bref. Ouais, ça pousse hub méchamment de la part des toits là qui se la donne à 4 et ils vont aller poser mezzanine en 12D en attendant. Tranquille quoi. Inquisitor qui aide même pas ses potes. Alors qu'il y avait un bus d'alien derrière. Wolf et Firefox ils sont toujours là. Wolf qui y va, ouh il attend pas son pote, c'est bien dommage, Firefox qui va arriver derrière et qui va forcément voilà mourir évidemment, c'est dommage de leur part d'avoir attaqué comme ça de façon Ouh, désynchro. ah, ça mine déjà. Ah, il s'attendait à un cheese. Je pense qu'il s'attendait à un cheese. T'as vu, il y avait un Marines à la base, non? Et c'était 4 hubs. Je pense qu'il y avait, non, Slan était mort, donc. Bah, Bon, en tout Inquisitor cas, qui était de l'autre côté, mais les mines sont posées pour l'éventuel cheese et les Waka Waka qui respecteront leur adversaire et qui tenteront une game classique malgré ce spawn shipping. Après, attention, oula, le Lansing Cloud qui est lancé, le Drifter qui prend du dégât, Cognito qui vise pas forcément le bon. Bien joué ça de la part des aliens qui vont repousser ce push et qui vont pouvoir protéger Observation et Logistique. Reste à savoir s'ils pourront continuer à le protéger. Repair Room qui est posé et c'est bien mal inspiré puisque Max, il a Slan pu faire arrive. la mine. Ah oui, exact. Bon, moi il l'a enlevé. Mais par contre, t'as vu, c'est dommage, il vient de poser Repair Room et c'est vu tout de suite par Slan qui va punir bah, direct quoi. Ah bah oui, c'est 8 ressources perdues ça. Bim, dommage. Dommage, dommage. Allez, pensons à la Bédénie qui est attaquée. Dommage, ça, pourquoi ils avancent pas sur serveur? Ils pourraient presque attaquer à plusieurs endroits. Ils décident de pas défendre Mezzanine. C'est vrai que c'est Inquisitor qui va s'en charger. Ah, ils vont Et aller t'as à vu, logistique. Hein. ils sont friands de poser les RT à distance et pas les RT à proximité. Ouh, Ils sont Slan! aidés derrière Ouh, Slan qui Melo. se fait méchamment choper là. Le Drifter Attends, qui essaie de chacun pour le s'enfuir. sien. Ah, c'est ça, mais ça marche pas. Ça marche pas, ouais. Dommage, grâce au backup du commandeur, hein, cela dit. Allez, Server Room qui prend ça, se fait reboot. On a deux Skulks Ah, il a qui monté font le cyste les. jusqu'à Ouais, il va mort. monter jusqu'à leur processing, ouais. C'est vrai que ça sert Server Room, ouais, qui s'est attaqué, ouais. plus forcément trop. Mais par contre, deux Skulks en backdoor qui n'attaquent pas les deux endroits différents, c'est un peu dommage, je trouve. De la part des Waka Waka qui peut-être veulent péter les RT plus vite, mais bon. Server Room, le courant qui est cassé. Alors que Il s'est fait Logistique est bouffer. vraiment sous pression, le Gorge qui est mort, un Marines qui tombe, un autre qui a peut-être tombé, Cache qui rate son chrome malheureusement mais qui a réussi à faire un Marines. Plus qu'un seul Marines, c'est d'Incognito qui serait bien inspiré de péter le cyste, je pense. Oh non, je crois qu'il va casser la RT, Ouais, il va carrément. avoir le temps en fait, hein. Il va avoir le temps, regarde le commandeur qui remonte dans la hive. Largement le temps, ouais. Alors que Server Room, on repousse cet assaut alien, Slan et Inquisitor, pousse les aliens qui ont perdu déjà un Harvester donc, hein. Deux C'est harvesters même ça, en deux fait avec l'harvester qu'ils harvesters ont posé qu'il a sur posé, ouais. Hyperhome exact qui a été Qu'il a reposé d'ailleurs reposé d'ailleurs, ouais. et qu'il va reperdre hein, malheureusement par C'est un Mac peu qui foufou, hein. snipe le. Oh là là, le drifter qui se fait défoncer. C'est dur, il faut y aller tout de suite. Il repose Ah, le regarde, t'as 6 vu, néanmoins. il a snipé derrière Rudy. Ah oh, mais il Ouais, tire c'est de trop dommage. loin avec son pistolet quoi, Mac quoi. Allez, le leurre qui est sorti, c'est Cache qui s'en charge, qui va donner un peu de map contrôle à ces aliens. Pendant qu'Observation ça pousse, regarde, les ma oh là là, Mac qui a attiré tous les aliens sur lui. Il n'y a plus de défense à Observation et ces trois Marines qui vont fondre sur cette ressource tower qui va probablement choir alors que La chaîne là, s'appelait. le niveau 2 de la shell se finit. Du C'est côté des plus. Marines, on a seulement les mines et on n'a toujours pas d'arm slab en fait. Ouais, c'est vrai, ça, il a rien fait en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il fait de ses ressources? Il pose pas de, il peut pas de, il a pas posé le Non, RT. Hein. il. Backup et il n'y a pas des masses de Il fait RT en jeu avec 4 finalement pour les RT. Marines. C'est-à-dire que ça pousse pas mal, ils font des dégâts mais pour l'instant ça capitalise pas non plus trop. Oh Carapace qui pourrait tomber sur ce push. Oh là là c'est dur. Oh, Cognito qui Spéilé prend par le. cher. Oh là là le leurre qui va prendre des dégâts. Voilà Diagen qui vient d'inspirer de sortir. Allez, le leurre qui va. Ouh, qui donne un Aïe petit coup aïe de trop et qui s'en va. Il n'est pas greedy, il a raison. Carapace qui est sauf et le Krag qui va la soigner de toute façon. Il n'y avait pas de Krag en fait. Quoi qu'il soignait, la hive soigne les bâtiments autour d'eux? Non, il y avait un potam qui soignait. Ah, c'est pour ça. Il y avait le commandeur qui était là. Ah, Tag Wolf qui Et s'est pris l'harvester qui a été encore perk. posé à Hyperwoo, le mec qui ne cède pas quoi. Ah, il veut absolument la poser. Non, je veux cet Ah, harvester! Mac qui va encore Allez, récupérer. Slan qui se fait bouffer et Mac qui va y retourner, ouais, forcément, c'est sa ligne. Hein. C'est sa ligne! Allez, il faudrait reposer Mezza, par contre, les Marines, recaper c'est important.
T'as vu les Twats qui n'hésitent pas à attaquer en sacrifiant finalement quelques RT, en se disant qu'il vaut mieux infliger du dégât plutôt que de recaper en permanence et d'être tout le temps défensif. Allez, les Dehleurs qui vont attaquer la base, Slan qui les voit passer. Et Slan qui s'en moque pas, non. Je veux dire qu'il s'en moque. Ou un Dehleur qui s'enfuit dans la ventilation, qui a pris du dégât. Il joue avec Carapace et pas avec Regen. Et l'autre Lurk qui attaque Server Room en attendant. Ouh, ils savent que c'est un Lurk. Ils savent que c'est un Lurk. Et le problème c'est que Server Room il c'est pas de l'autre évident. Côté, regarde, il a attendu de l'autre côté, regarde, ah, il est piégé. Là, là, 3, il est piégé. Et il y a une tactique, Bladou, et je vais te la donner. Quand t'es ici là sur Bezaline pour monter dans le conduit en Marines, en fait tu construis une armory bleue et les Marines peuvent monter dessus. C'est-à-dire que tu montes sur le Power Node et ensuite tu sautes sur l'armory que tu places juste en face du. Et chose qui Juste en face de la ventilation et tu peux monter en fait. Alors. Les Twats ne le savent peut-être pas, mais en tout cas c'est faisable. Allez, le Lurk qui essaie d'aller aider son pote Lurk, mais ce Lurk qui est également dans la panade. Oh là là, il va se retrouver face à Ah deux là là, Marines et il va ouais, tomber. merde. C'est encore un Lurk de moins et les Marines qui attendent tout 20% de simplement vie, il pour attend, détruire mais bah ouais, parce que c'est super cette rentable de le lifeform. détruire, hein. Il est bloqué, biomasse qui est lancé peut-être pour faire les recherches de l'Umbra éventuellement. Oh là là, Firefox qui est vraiment dans la panade, sa vie qui remonte tout doucement. Oh, il va tenter! Oh là là, c'est dur, il tente! Et ça passera pas, trois Marines de l'autre Il était attendu, côté. hein. Et voilà, deux Lurks en moins, les fusils à pompe et plus un d'attaque qui sont lancés de la part des Marines. La biomasse qui se lance, on n'a plus. Ah si, Rudy Hacker qui lance un Lurk. Les Waka Waka qui donc Ont sacrifient toutes zéro leurs raids ressource, hein. pour lancer des Lurks qui n'auront plus que Daigen qui pourra prétendre à un fade. Et c'est tout. Ils ont flashé leur lurk, hein. Ouais, c'est bien dommage. Surtout que là, ce Lurk qui s'est placé sur Server Room, il s'est vraiment. Enfin, il s'est vraiment mis dans la merde tout seul parce que c'est dur de s'en sortir de Server Room. T'as aucun endroit, t'es obligé de passer par des zones éclairées, enfin vastes, tu peux te faire tirer dessus, c'est pas facile. Ah, Allez, la biomasse qui est lancée encore une l'eau fois. qui meurt avec sa propre mine. C'est Et du dommage. coup, ouais, comme le commandant peut pas expandre, il décide de biomasse. Attends, qui c'est qui est mort Voilà. là? Encore un lurk? Non, 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 il n'y a pas de Lurk qui est mort, c'est Cage. Ouh, attention, attention, t'es pas attendu de l'autre côté. Oh si, il y en a un qui l'attend. Non, c'est bon, il fait le grand tour. Oh là là, l'harvester qui va tomber, on a tellement plus d'harvest. Oh, c'est Ressources, dur. plus rien, la biomasse qui est juste faite, quoi. Ouh, attention, le shotgun. Ah oui, mais là, oh là là Oh! là là. Oh, Cage qui. Ah, j'ai cru que Cage allait faire la diff, mais voilà, Slan qui punit derrière avec ce coup de fusil à pompe bien placé. C'est Que dur, c'est deux dur. RT. Deux Et harvesters, pardon. Waka Waka qui néanmoins n'abandonne pas. On n'abandonne pas chez les Waka Waka. Si tu veux nous détruire, il faudra aller jusqu'au bout. Et bah je pense qu'ils ont raison, c'est une bonne mentalité. Allez, observation qui va être claim par les Marines? Non. Observatoire qui est fini, au cas où. Qui est sans doute une phase gate derrière qui va être faite. Le plus 2 d'attaque qui est lancé et pas le plus 1 d'armure. Ouh, Ouh, deux les bus! 4! Le bus! Tag Wolf qui meurt évidemment! Slan qui se fait backup un maximum! Non, Non, ça non, va pas pas passer. suffisant. On perd deux fusils à pompe sur cette action, c'est bien dommage pendant que Reaper Room est claim On par en les perd Marines. qu'un parce qu'on avait un par terre, hein, donc je pense D'accord. que oui. Enfin, Allez, j'espère que Elevator c'était Room pas check un aérien. Allez, les Reaper. aliens qui jouent le tout pour le tout, qui ont dépensé toutes leurs ressources de début de partie et qui auront donc un late game vraiment très tardif. Il y a des Ce gains qui qui va pas pourront être encore acheter efficace. un fade, je pense. C'est tout. On a une armory qui avait été construite à Mezzanine, j'avais pas vu en cas Si, 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 de. pour acheter leur shotgun en fait. Ah, pour pas qu'ils aient à back, tu penses? Ouais, je pense que c'est Pas ça. mal. Ouh, ils sont 4. Ça a été Slan, il est un vendu. peu foufou là, hein. Eh oui, mais le problème c'est qu'il y en a un derrière qui attend. Ouh. Ouais, Slan qui se fait. Ouh, le Lurk qui va, mais ça va passer. Ça va passer, ils détruisent l'Harvester, ils détruisent Mezzanine. Mais bon, Ils y vont un derrière, est-ce par un qu'on a les une Twats, hein. contre-attaque? Et les Marines qui du coup poussent sur logistique, regarde. Y a un Drifter qui attend. Les Drifters qui sont devenus vachement gros sur la carte, moi ça me fait toujours peur quand je vois un Drifter ou un Mac qui arrive parce que je me dis, oh mon dieu, c'est un. Ah non, ça va, c'est qu'un Drifter. J'ai l'impression de voir un Je nono pense s'en mettre à voilà chaque fois. Mac qui fait le boulot à logistique, oui. Et qui 5 a encore RT. scanné. Oh là là, il attend dans la ventilation. Ouais, là ça vient. Attention. Et il est sous-dessus. Eh oui, il peut Ouh. pas y aller. Mac qui prend cher dans la Et il ventille. a Il y a tendu lui aussi derrière. l'heure qui Il y va. a Mélo. Attention Mélo. Ouh, le leurre qui prend cher! Il lui court après dans ce fusil Ouh. à bas. Oh, il l'a Si, eu! c'est fait tuer. Derrière le mur. Oh, il l'a eu! Ou not by the Oh lag. là là, bien joué! Surtout qu'il est mort ici, quoi, devant la porte de sa base, donc. Il a vraiment dû tirer juste au moment où il le voyait plus et le dégât a dû être effectif au moment où il était déjà passé derrière le mur, genre 6 super rageant, quoi. RT. Et Ouais, contre 4, hein! 5-5. 5 RT, 5 harvesteurs détruits. C'est pas très très rentable pour l'instant. Moi qui est finalement lancé, mais on n'a plus de Lurk.
donc on n'est pas prêt d'en avoir. Choix, on va dire, contestable pour les Waka Waka. Mais bon, c'est sûrement la méta qu'ils avaient voulu faire et peut-être que maintenant le commandant va économiser pour payer des lurks. Ça coûte 40 un lurk, je crois. Placement. Oui, ça coûte un fade. Des lurks, parce que les fades lui coûtent 4 de biomasse. Oui, il n'a pas 4 d'accord. de biomasse. 4 ou 5 même. Dans tous les cas, il faut 2 hive. Ah, oh, les Waka qui sont en train de prendre sévère. Ils tiennent le plus possible pour tenter éventuellement d'avoir un fade que Deigen d'ailleurs pourrait faire. Il attend peut-être d'avoir assez pour faire la carapace. Je vous rappelle que les évolutions sont maintenant payantes hein, sur les lifeforms. Les lifeforms sont moins chères, mais en échange, vous payez les évolutions. C'est 5 pour les fades et 8 pour les Zonos. Pour les Zonos, ouais. Ça doit être 3 pour le lurk et 2 pour le gorge. Allez, la phase gate qui est posée à hub de la part des Twats pour commencer à pousser cette phase gate qui va leur permettre de défendre l'élévateur. Ouh, l'élévateur transfert qui a été posé. Et ça, c'est l'éventuel comeback des aliens. S'ils perdent l'élévateur, c'est la mort. C'est la mort, Kias. Alors que Rudbeck pose des clogs, mais aura-t-il les temps de les poser? Je ne pense pas. Deigen qui temporise avec ses petits babbleurs sur le dos au niveau de l'élévateur transfert. Il est mignon ce petit. C'est dégueulasse. Oh. On le regarde de près, c'est terrible, il y en a plein sur lui. Hein. Il tue un des Marines. Ah, oh, il est trop beau. Ah, oh, il a perdu tous son drifter. Et il meurt. Tous les drifters qui sont morts. Tous les babbleurs, oui. Tellement triste. Les babbleurs, pardon. Allez, l'élévateur transfert qui tient pour l'instant, qui est pas prêt d'être construit parce qu'il n'y a pas de drifter à côté. Et on pose l'armorie en prévision pour pousser. C'est parti. Est-ce qu'on va faire un fade finalement parce qu'il a 48 de réessaye et Deigen qui lance son fade. Je crois qu'il l'a lancé à shipping. Et l'élévateur transfert qui se fait heal par le gorge. Allez, c'est parti. Elle a 20%. Oh là là, les Hydra qui prennent cher. Ils sont 5 les Marines. Ils vont se regrouper pour attaquer. Le fade qui va sortir, ça y est. Le fade qui pourra peut-être faire la différence dans la défense. Mais bon, avec des fusils à pompe à 5 Marines regroupés. Ouais, ça va faire très très mal. La crack qui a été posée derrière la hive, bien vu de la part des Waka Waka. Attention, le gorge qui pourrait mourir. Oula, le gorge qui tombe. En plein milieu, c'était pas bien pour lui. Tout seul qui va probablement flash. Non, c'est bon. Il est chaud. Il a eu très là, très chaud. Alors que je me fais spammer. Bonne wall qui a été balancée. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je me fais spammer sur Facebook, cette fameuse plateforme que vous connaissez peut-être, qui permet en fait de garder contact avec des gens. Oh mon dieu, Draven qui se bloque dans la caisse et qui s'en sort, mais... Oh putain, il était attendu, hein. Il y avait Mac derrière qui l'attendait dans la fuite, et il a failli se le faire. Est-ce que les toits vont faire la fameuse tactique qu'ils nous avaient fait, qui était une très bonne tactique? Ah bah non, ils pourront pas, puisqu'en face, il n'y aura pas de Nos. C'est-à-dire de bloquer cette fameuse, ce fameux petit escalier qu'on voit à Shipping, là. Allez, Elevator qui prend cher, qui n'aura probablement pas le temps d'être fini, qui n'est qu'à 40%. Le fade qui va, le fade qui tombe. Et la dernière life form des Waka Waka qui choix et qui assure quasiment la victoire aux Toads, qui sont maintenant 2-2, bientôt 3-2, qui ont accès aux lance-flammes et aux lance-grenades, mais qui n'en feront probablement pas usage, car ils n'en ont pas besoin. La F qui va tomber, voilà les aliens qui arrivent un par un. Waka Waka qui, je pense, ne savent plus trop quoi faire. Peut-être le temps de faire le fameux baroud d'honneur, le rush du désespoir, j'ai envie de dire. Et la hive qui tombe. Est-ce qu'on peut jouer au football avec? Non, les Toads qui ne s'amusent pas, les Toads qui sont là pour gagner, qui ne joueront pas au foot avec la hive, qui ne joueront pas avec l'honneur des Waka Waka sur cette action. Et je crois que c'est parti pour un rush. Hein. Non. Oui, non, ce n'est pas un rush. Non, on détruit les RT, on joue le match-up classique, ok. Très bien, on essaie de faire des informations, on essaie de tenir... Oh, en même temps, Mac, il y a 66 de ressources. Oui, mais pourquoi? Ah bah, il peut reposer des hives, bientôt poser 2 hives. Ouh, il s'est fait nano. Inquisitor. Le nano shield qui n'est plus disponible après avoir eu 2 hives, mais qui est en fait une recherche simplement que vous pouvez faire dans le command center. Et dès que vous l'avez fait, vous pouvez nano shield les Marines pour quelques secondes. Ça vous coûte 5 de raid à chaque fois. Voilà, les Marines sont en train de... Je balancerai un truc à Server Room. Oui, mais le problème c'est que les Hive maintenant sans drifter elles poussent tellement lentement, tu vois. Et voilà, la phase gate qui est posée à sous tunnel. Exactement la même tactique qu'ils ont pu faire contre mon équipe. Qui va probablement sonner le glas des Waka Waka. Ils vont se poser à Saros, ils vont commencer à pomper des arcs. Les arcs qui vont se placer juste en bas de l'escalier là, et qui vont pouvoir tirer sur la hive de façon assez easy.
Allez. C'est parti, Slan et Mello qui construisent. Pendant que les autres font diversion là-bas, ils sont backup par le commandeur, like hell. Oh, ça va être poussé de la part des aliens. Mais est-ce que ce sera suffisant vu que la phase gate est posée? Et cette phase gate à hub qui est Ouais. toujours présente et qui permet en fait aux marines de reculer, de défendre éventuellement. Les carapaces qui ont été mal placées quand même de la part des Waka Waka. C'est une très Ouais, mauvaise position ça pour le mode des visiblement, carapaces. ouais. Arme 3 finie, hein. Et voilà ce que Il ça faut les fait. mettre derrière derrière des bâtiments et là ouais, ils sont tirables de loin, du coup c'est un peu dommage. Du coup, la phase gate aussi, elle a jeté de loin. Ouais, c'est vrai, mais elle va être weldée, les jetpacks qui sont Jetpack sont lancés. lancés, ouais. Voilà, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. En ce temps-là, ça attaque. Alors, il y en a deux qui sont là en processing, c'est de casser. Ouais, c'est ça, ils essaient de faire diversion un petit peu pour punir, on va dire, les ressources des Marines qui ont déjà tellement. Mais est-ce que ça va faire une différence? C'est ça, quoi. Là, le problème, c'est qu'il n'y a plus de lifeform possible chez les Marines, c'est les aliens, donc il va falloir temporiser tellement, tellement longtemps. Ouais, tu vois. Et tu vois la fameuse armorerie que je te disais, qui empêche donc les lifeforms aliens de remonter. Ils savent pas en fait ce qui a fait des leurs, qui n'en a pas fait. Du coup, ils s'attendent peut-être à un éventuel Onos, vu qu'ils n'ont vu qu'un seul fail. Ils la font au cas où. Cette armorerie qui les bloque également, eux. Hein. Ah non, je vais passer par le côté du truc. Donc, celle-là est une tactique spéciale Waka Waka. Spéciale Twat, pardon. Marche très La très big bien. bombe, par contre, qui se balance au fur et à mesure pour essayer de casser ça. Ouais, bien sûr, hein, mais derrière, eux, ils peuvent la welder, tu vois. Et ça leur fait une position plutôt pas mal. Hein. Et comme je te disais, si jamais un gorge descend, il peut pas remonter quoi. Ah, ça y est, elle est détruite. Ça continue de pousser et les Waka Waka qui ne veulent pas se rendre. Est-ce qu'on va commencer à faire des arcs à une Arc Factory? Ça permettrait tout simplement d'attaquer facilement. Ah bah là, quand même. L'Harvester qui peut être attaqué en plus de cette position. Si on se met dans le coin totalement en bas à droite, on peut toucher l'Harvester. D'ailleurs, on a pu voir Flamethrower. les Nexiles nous le faire tout à l'heure Ils au ont augmenté Potam. la range des lance-flammes. Ça c'est marrant. Ouais. Augmenter la range des lance-flammes et ça tire de vraiment très loin et ça fait très très mal au bâtiment. C'est très rapide à Ça, faire. et ça les paralyse, ouais, tout à fait. Ça coûte pas très cher à lance-flammes, c'est 15 de raise. Lance-grenade qui est recherché, c'est Slan qui s'y colle, je crois. Et il est en train de, voilà, de noob tuber à Ah, c'est l'intérieur et regarde, horrible ça là. pète tout. Oh, ça pète tout. Ah, il s'en est pris une Ça dans la gueule. pète. Ouais, faut faire gaffe au retour. Voilà, il a lancé, bam 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 bam, ça va pas te Ah, taffer où tu dommage, veux, hein, c'est. il a pas tapé où il voulait. Hein. Ouais, mais c'est chiant, j'ai trouvé ça un peu compliqué là. En fait, la hitbox des grenades qui est très grosse par rapport En fait, faut pas au. bouger du tout, en fait, c'est ça qui est Ouais, problématique. faut que tu restes à l'endroit où t'as vu que ça marchait quoi. Voilà, par exemple, il a bougé un Là, il peu a et les loupé, ouais. grenades qui ricochent quoi. C'est pas évident parce qu'en fait, les grenades ricochent vraiment pour un rien, c'est-à-dire que t'as l'impression que ça passe, mais finalement, elles vont quand même ricocher, c'est un peu bizarre. T'as vu, il a Ouh, et mis puis des ça fait clubs pour du mal. protéger. Hein. Il a mis des clubs pour protéger et en fait, les grenades qui sont complètement inefficaces contre les clogs, il faut le savoir. Pas très très mal aux clogs en fait. Pas inefficace non plus, hein, mais. Et Ah, pendant ce temps-là, détonation les aliens time qui decrease. déportent, hein. Les aliens qui tentent de déporter le conflit et les Waka Waka qui se laissent pas faire et qui s'empalent pas sur cette phase gate à sous ce tunnel et qui préfèrent attaquer autre part pour empêcher les marines de pousser. Mais ça va pas marcher, la dame à carapace qui va tomber, le crack qui est attaqué, les Twats qui sont en train de pousser à l'intérieur de la haie et qui commencent à egglock les Waka Waka qui ne pourront plus être aussi agressifs que tout à l'heure puisqu'ils ne pourront plus spawner tout simplement. Ah ça y est! Ouh, ça pète un peu partout. Ça va, ils s'en sortent. Ou le lurk qui fait quelques bytes. C'est pas facile, c'est pas facile. Ah là 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 là. Allez, les Marines qui sont 4 sur sous ce tunnel, qui ont DRT à beaucoup d'endroits. La T'as vu que c'est whip cisté là? sur élévateur transfert qui est finalement mise. C'est systé partout. Ah, la Hive qui prend tellement cher. On a posé des command centers un peu partout. De la part des Marines. Allez, Mac qui est là. Oh, Mac qui est nano shield et qui fait son taf sur Hyper Room avec son jetpack. Pendant ce temps-là, il n'y a plus un seul œuf. C'est Le la fin. dernier alien qui va tomber. Les Waka Waka qui se battent jusqu'au bout. Il va peut-être vouloir mettre un élévateur, une arrive s'il a la seconde. Ouais, ça y est. Les Waka Waka qui taunt. Mais bon, qui ne peuvent plus spawner. Elle est mise à You Reaper. bastard. Eh merde, il y avait Mac. Mac qui. Comment tu penses vraiment elle? Oh, Mac qui va mourir! Moral victory. Ah, Moral victory. Je pense que c'est une bien piètre victoire. Eh Moral ouais. victory. Mais en tout cas, ils se sont battus jusqu'au bout. Ouais, Et, jusqu'à la euh, et fin. ça, et ça c'est bien. Ça fait des games au moins qui durent un peu. Et qui sait, sur une bonne prise de fight et sur une erreur à cause de l'épuisement mental du truc, tu peux parfaitement réussir à un rush base ou à contre-attaquer, détruire l'âme slab ou quelque chose comme ça qui peut te redonner l'avantage. Et voilà quoi.